Bonjour à tous et bienvenue sur Dragon Quest 11. Donc on était parti pour aller sur la route d'Arborea et on avait fait une petite escale à Puerto Valor pour voir que Henrique était un ancien allié de Don Rodrigo et qu'il était alité actuellement. Don Rodrigo. Ok, on est parti. Absorption PM 10%. La sphère de Grayskull, ça peut être bien. Pas du tout.
semaine. L'Académie des médailles. Thank you.
lui apportiez un parfum de la région. Je n'ai rien reçu depuis dehors. Ah. C'est Bayotou. Pour ça. Vainement possède un mental à toutes les points. Est-ce que j'ai pas vendu?
Avoir un point de téléportation. Cet homme est en danger. Nous devons lui venir en aide. Prends garde à toi, gros matou, surtout si tu tiens à ses griffes. Tu ne pourras pas dire que je ne t'avais pas prévenu. Yeah. Tu as été fabuleux, quelle fouille. Et cette férocité, tu es un vrai lion.
Est-ce possible? Est-ce vraiment possible? Non, vraiment. Oui, c'est vraiment possible. Bon, je suis si heureux de te voir. Oh, je croyais t'avoir perdu à jamais. Vous connaissez et je peux. Peux-tu m'expliquer tout ça? Mais voyons, c'est évident. Nous menons une bataille acharnée pour donner au monde ce qu'il a perdu. Le sourire. Tout à fait, mon ami lapin. Nous voulons ramener la joie et le rire aux quatre coins de ce lointain citerne. Ma petite parade s'est fait d'une ribambelle de guerriers du bonheur. Ne sont-ils pas formidables? Mais là n'est pas le propos. Je n'arrive pas à croire que tu sois en vie. C'est un miracle. Je pensais ne plus jamais te revoir. Excusez-moi. Biquet, je suis désolé, je t'avais complètement oublié. Tu vas bien, tu n'es pas blessé, non? Non, non, c'est grâce à toi, tu es plus fort qu'il n'y paraît. Je m'appelle Dab, je viens de Pneumen au sud. Sans ton aide, mon retour au pays se serait achevé ici. Merci. Oh, tu rentres chez toi. En ce cas, nous allons t'accompagner. Tu ne peux pas risquer une nouvelle attaque. Écoute mon chou, toi et moi, nous avons des tas de choses à nous dire. Pourquoi tu ne viendrais pas avec nous, hein? Allez, tu es en merderie. Ok. Super, je suis si content. Le temps pour toi d'intégrer la force spéciale des défenses du Rafting, ça. Waouh, tu es encore plus adorable que je le pensais. Je suis si fier de toi. Bon, les garçons, accueillons comme il se doit notre nouvelle recrue. C'est un de mes vieux amis. Passe devant mon chou et que je ne te surprenne pas à faire à la tête. Sache que tu mènes la première parade du bonheur de ton monde. C'est parti, mettons-nous en route et redonnons au monde son sourire en fanfare, s'il vous plaît. Si jamais on venait à être séparés pour une raison ou une autre, on se retrouvera ici, d'accord mon chou? Génial. La parade. Par contre,
qui parle hispanophonie. On va augmenter la puissance à l'âge d'abord. L'autre, c'est quoi? Elle n'est pas toujours efficace, mais elle peut entraîner un coup critique. Voilà. C'est donc ça qu'il me faut. Nous sommes arrivés à destination non, mais essayer de réanimer respondissante. Ici aussi, le monde est si triste de nos jours. Merci de m'avoir sauvé, là, je dois y aller. Je me demande ce qui a pu pousser à s'aventurer aussi loin de chez lui, cela aurait-il un rapport avec la torture qui règne ici. Voici un travail pour l'agence des détectives de Sylvie. Laissez-moi faire. Agent du bonheur, soldat du sourire, partez répondre le bonheur et découvrir ce qui se passe ici, au travail. Je n'arrive pas à me défaire l'idée que Silando et moi nous sommes déjà rencontrés. Et mon ami, c'est moi, Basile. Je ne me dis pas que tu m'as déjà oublié. C'est toi qui m'as sauvé de cette peinture. Tu te souviens, sans toi, je serais encore coincé là-bas. Après toute cette histoire de fraîche, j'ai décidé de gagner ma vie en travaillant dur à haute nettement. Et puis, ce fichu monstre m'a piqué tout mon argent. Je t'aurais bien donné 2 ou 3 pièces d'or ou quelque chose pour te remercier, mais je n'ai plus un sou en poche. Désolé, mon ami. Ouais, t'es enflé et maintenant sa vie doit tenir la route.
d'argent. Ouais. C'est plutôt ça qui m'intéresse. J'avais déjà fait une son. Thank you.
Dab, tu vas bien, tu n'es pas blessé. Qu'est-ce que là, je crains le pire, surtout après la disparition du jeune homme. Ton père, ton fils a disparu, au pauvre fou. Je me fiche bien de savoir où ce petit ingrat a bien pu aller. Excusez-le, il a perdu son épouse il y a peu, et voilà que son fils a disparu. C'est très dur pour lui. Avez-vous entendu parler d'Avarice, cette monstre? Cette créature monstrueuse a fait éruption dans le village avec ses troupes. Peu après la chute d'Ictras et l'apparition des thèmes, nous étions paralysés par la peur, impossible de nous s'enfuir. Elle nous a rassemblés sur la place. Donnez-moi ce que vous avez là au plus cher, qu'elle disait. Confiez-moi ce que vous avez de plus précieux. Je le protégerai. Les gens ont eu tellement peur qu'ils lui ont obéi sans réfléchir. Ils lui ont donné l'argent, mari, épouse et même enfant. Mais cette infâme créature nous avait menti. Elle n'a pas protégé ce que nous lui avons donné. Elle a tout emporté avec elle. C'est tout simplement affreux. S'il y a quelque chose... Bien de choses que je déteste, ce sont les menteurs. Ne t'en fais pas, mon lapin. Nous récupérons tout, vraiment tout. Vraiment, mais Avarice, c'est très fort, très puissante. Oh, il faudra plus tiens, simple et voleuse pour m'arrêter. Je ne vous laisserai pas tomber. Tu connais l'adage, un chevalier n'a qu'une parole. Un chevalier. Avarice est parti vers le sud et tout ce qui... qu'elle nous a dérobé, c'est par là que doit se trouver son repère. Partons à cette trousse, nous allons lui rendre la monnaie de sa pièce. Thank you.
pas de... C'est pas utile pour moi. Normalement, j'ai pas encore si vent d'eau. Oh, elle est belle cette troupe d'artisanie. Bon, je crois que tu as même pas trop craqué l'oreille des méchantes créatures qui ont enlevé le des habitants du village. Ton père ne s'appellerait pas Dab par hasard? Si. Tu ne t'es donc pas fait enlever. Que fais-tu dans un endroit aussi dangereux que ton père et qui se fait un sang dans ta tête? Papa se fiche complètement de moi, tout ce qui compte pour lui c'est le collier de ma maman, c'est lui qui l'a dit à la créature. Je croyais qu'il dirait que j'étais ce qu'il avait de plus précieux, il m'a fait beaucoup de peine. Alors j'ai décidé de suivre la créature et de récupérer le collier pour lui. Comme ça il verra que je compte moi aussi. Mais je me suis un peu trop éloigné du village, j'ai commencé à avoir peur et je me suis caché. Le père a dit était très vexant, mais ce n'est pas un endroit pour un alors nous allons te raccompagner au village. Bon, si vous pensez chasser cette créature, alors je vous accompagne, je dois récupérer le collier de ma maman. Inutile de jouer les rabat-joie, nous verrons sur ce petit trésor de plus, il est en plus en sécurité avec nous, mais s'il arrive à lui-même. Entendu, mais le garçon est sous ta responsabilité. Merci beaucoup, je vous aiderai, je te le promets. La créature est partie par là, il y a une croix près du cap et elle se cache. Où elle se cache? Vous l'avez entendu, allez, donnez une bonne leçon à cette vilaine voleuse. Surprise rare sont les humains qui osent s'aventurer jusqu'ici de leur plein gré. Avoir espèce de monstre varant ce que tu as volé, laisser les villageois rentrer chez eux. Et tout de suite. Je comprends mieux la raison de votre présence, ces humains et leur courage, un disaient.
dois reconnaître que vous êtes du coin et venir jusqu'ici. Admettons que je leur rende tout. Je ne le ferai pas sans partie, contrepartie. Vous devrez me donner quelque chose en échange. Si vous choisissez, votre bien le plus précieux se trouve. Ça, tout à fait honnête comme Marseille, non? Une minute. Si tu souhaites conclure un accord, horrible créature, c'est avec moi que tu devras traiter. J'ai quelque chose pour toi, ce doux, chaud et parfumé. Je pense que tu adoreras. Oh, je veux voir ça. Je veux voir ça. Je veux voir maintenant. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Avec plaisir. J'espère que cela te comblera. Je le veux. Je le veux. Beurre, quelle est cette odeur absinthe? C'est un jeu pour toi. Oh, cela ne te plaît pas. Ma grange, je l'ai choisi exprès pour toi. Haha. Avarice n'est pas du genre à se laisser ridiculiser par un misérable humain. Tu vas le payer. Moi aussi, je sais. Inutile d'implorer mon indulgence. Vos vies m'appartiennent à présent et si nous voulons. Si je peux le plonger dans le sommeil. Au moins pour un tour. Thank you.
Mais sa défense. Ça peut être bien. Qui a du bon? Bof. Je n'arrive pas à le croire. Comment est-ce pu perdre? C'est impossible. Ah, okay. Et voilà ce qu'on récolte lorsqu'on en veut toujours plus. On va bien, personne n'est blessé. C'est grâce à toi que si nous n'avons rien. Avoir qui nous retenait les prisonniers, mais elle ne nous a pas fait mal. Vous nous avez sauvés, je ne sais pas comment vous remercier. Gendarme, vous, votre soin est super important. Le voilà, le creux de ma main, au mien. Non, il est cassé, je ne peux pas le... rapporter à papa dans cet état, ça le rendra encore plus triste. Comment ça, jeune homme? Mon papa ne t'a jamais dit que c'était l'intention qui comptait, même s'il était en morceaux. Tu serais quand même son petit héros. Bien, il est temps de raccompagner Môme et tous les autres au village. Et encore une fois. Approchez mes chéris, la parade vous attend. Prends ton temps mon chou, nous allons pouvoir nous amuser un peu à peu. A plus tard. Et le collier cassé, mon père sera très fâché quand il le verra. Ne dis pas de bêtises, Mickey, comment pourrais-tu qu'il être fâché de te retrouver sans un seul hein? Va lui parler et raconte-lui tout. Je serai juste derrière toi. D'accord, j'ai peur, mais je vais mettre... Bonjour, papa. Je suis allé chercher le collier de maman dans le repère de la créature, mais il est cassé. Tu as fait quoi?
Tu es inconscient. Tu aurais pu te faire tuer. Et qu'est-ce que je serais devenu hein, sans toi? Toi à qui je tiens plus que tout le monde. Mais tu as dit toi-même que le collier de maman était ce que tu avais de plus précieux. Et je ne le pensais pas, comment pourrais-je? Tu ne comprends pas, je n'ai aucune confiance en ce... je n'avais aucune confiance en cette créature, alors j'ai raconté n'importe quoi. J'ai menti parce que je voulais te protéger. Vraiment? Je croyais que tu tenais pas à moi. Je suis tellement désolé, tu as dû te faire beaucoup de soucis. Bien qu'il s'agissait d'un simple malentendu, il aurait suffi que père et fils se disent ce qu'il avait sur le cœur. Oui, quand on y pense, on se retrouve dehors d'abord, d'accord? Papa, je te présente mes nouveaux amis, ce sont eux qui ont sauvé tout le monde. Je ne sais pas comment vous remercier, vous êtes de véritables héros. Lors de notre rencontre, quand vous m'avez sauvé la vie, je cherchais mon homme. J'ai fait semblant de me ficher de ce qui lui était arrivé pour que la créature croie toujours à mon mensonge. J'espère que vous comprenez. Où est mon ami avec les plumes? Je peux lui dire merci. Son dos est parti sans cri d'air. Nous devrions peut-être le chercher. Il aurait suffi que père et fils se disent ce qu'il avait sur le cœur. Et tu m'as fait un de ces frayeurs. Depuis combien de temps es-tu ici? Ah, peu importe, quel bonheur de voir maman et son fils enfin réconciliés, n'est-ce pas? Mais certains ne se réconcilieraient jamais avec leurs proches. Certains ponts, une fois coupés, ne peuvent être reconstruits. Puis-je te poser une question? Mortecor, il est très puissant, n'est-ce pas? Assez pour détruire notre monde. Tu l'as constaté par toi-même, mais tu es toujours déterminé à l'affronter, n'est-ce pas? Yes. Tu es vraiment un héros, n'est-ce pas? J'ai toujours cru qu'il suffisait de parcourir le monde et de redonner le sourire à tous ces gens. Mais à quoi bon si le Seigneur des Ombres peut les effacer à tout moment? Ce que j'essaie de te dire, c'est que je vais laisser ma chère parade de côté t'accompagner. Je ne vois pas d'autre solution. Mais avant toute chose, j'ai besoin de ton aide. Je n'ai pas peur de me faire réduire en miettes par Mortigern, mais je ne peux pas entraîner mes garçons là-dedans. Nous devons les conduire en légion auprès de quelqu'un qui veillera sur eux. J'ai bien une personne en tête, mais inutile de tourner autour d'une peau. Je suis pas étonné à l'idée de le revoir. C'est pour cela que tu dois m'accompagner. Tu viens, mon chou, n'est-ce pas? Oh merci, je savais que tu accepterais. Bon, je vais accompagner je vais annoncer la nouvelle à mes petits soldats du sourire. Retrouvons-nous à l'extérieur du village. Bon, ben merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine pour partir voir ce que Silvando a à dire ces sujets.